Je m'appelle Basile Niane, je suis journaliste blogueur. Je suis le coordinateur du réseau des blogueurs sénégalais et en même temps CEO de l'agence Social Netlink spécialisée en nouveaux médias et Actu Web. La Nadia Tutep au Saint-Louis a un sens très grand. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on sort de Dakar pour aller dans une région. On a choisi Saint-Louis parce qu'on a vu aussi l'activité de la blogosphère de Saint-Louis. Au niveau local, les journalistes, les blogueurs font un travail extraordinaire. Donc on s'est dit pourquoi ne pas quitter Dakar et aller vers Saint-Louis pour venir aussi soutenir la communauté, partager avec la communauté de blogueurs. Parce que l'idée du média Twitter au début, c'est le partage de connaissances, c'est-à-dire les amoureux de la technologie se regroupent ici à Dakar pour partager les expériences. Donc on s'est dit qu'il faut maintenant décentraliser tout ce travail qu'on est en train de faire, d'où l'idée de quitter Dakar et de venir à Saint-Louis. On a trouvé ici quand même des gens qui étaient ouverts et qui nous ont bien accueillis pour développer le concept du média Twitter. Ce qu'il faut attendre, c'est deux choses. D'abord, la relation entre les blogueurs de Dakar et du Sénégal. Et ensuite, créer une plateforme qui pourra nous permettre d'être en relation avec les blogueurs de Saint-Louis et les blogueurs de Dakar. Donc, on a prévu de mettre en place une plateforme qui sera offerte aux blogueurs de Saint-Louis. Quand on parle de blogueurs, il faut savoir que c'est la communauté des blogueurs qui regroupe aussi des journalistes locaux et des gens qui sont amoureux de technologie. Donc aujourd'hui ici, on va tout faire pour apprendre pour donner des cours de blogging, de community manager aux blogueurs locaux et leur offrir une plateforme à la fin.